Elle est toute seule, tu le sais bien. Et toi, tu es imprévisible. Il va aller le voir et je vais perdre la tête. Oui, mais si tu m'avais tout dit plus tôt, on aurait donné cette lettre au procureur. Et on aurait eu la possibilité de déposer plainte contre Mustapha lui-même. Oui, c'est ce que je lui ai dit. C'est la même chose. Ils écriront dans le dossier qu'il appelle et nous harcèle, et puis ils auront ce document. On devrait apporter ça au procureur, Kadir. Très bien, je vais m'en occuper. Viens t'asseoir avec nous. Kerim, je t'en supplie, ne te mêle plus des affaires de Mustapha. Ouais, ouais. Mais si je reste calme, il fera des choses encore pires. Tu as promis. Il nous surveille, ce salopard. Et attend que ma femme soit seule pour aller la voir sans aucune honte et se faire servir. Et il laisse des notes à ma porte. Kerim. Je vais aller lui parler demain. Ce sera beaucoup mieux si je le fais. Ce sera mieux si c'est moi qui lui parle, en fait. Ça me rend fou à chaque fois que j'y pense. Et il me demande de pas lui cacher les choses, voilà pourquoi je le fais. Oui, mais on devra bien finir par arrêter ce fume. Demande-lui concernant Aserovacic, n'oublie pas. Qui est Aserovacic? Vous ne lui avez pas dit alors? Qui est cette femme? Assou. Et alors quoi? Ils veulent te piéger, sache-le. Je jure que je vais tuer ce mec à main nue, je vous le jure sur ma vie. Kerim, son témoignage ne fera aucune différence, c'est sûr. Ce qu'ils veulent, c'est embrouiller le juge et prolonger l'affaire. C'est exactement ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'elle peut dire? Elle nous a trouvés en premier. Emre le sait aussi. Emre parle 4, tu l'as entendu aujourd'hui. Mais je vais lui parler quand même. Il peut partir 2 jours plus tard. Je suis sûr qu'il fera ça pour nous. Mourad, ne m'agace pas. On l'appellera demain, c'est mieux. Non, tout de suite. Je sais que t'appelleras pas, tu mens. Mourad. Ma maman, elle me ment. Donne-moi le téléphone, on ne peut pas l'appeler maintenant. Ah. Moi, je t'aime pas, je t'aime plus. Ok, tu ne m'aimes pas. Mourad, Rami. Mourad t'aime beaucoup. Il ne voulait pas dire ça. N'est-ce pas, Mourad? Ah. Son silence m'inquiète beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Rien, on discutait. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'il y a? Tu le sais très bien. Fatma Ghoul est très inquiète à ton sujet. Elle a peur que tu ailles voir Mustapha. Tu ne ferais pas ça, n'est-ce pas? Vous me l'avez déjà dit. Kadir t'a aussi dit que ce n'était pas une bonne idée de faire ça, tu te souviens? Meriem. Hmm? Dans 2 jours, c'est l'anniversaire de Fatma Ghoul. Ah. Ah, vraiment? Mm-hmm. Je l'ai vue sur sa carte d'identité aujourd'hui. Le 8 juin, je me suis souvenu. J'ai cru que tu allais m'annoncer quelque chose de mauvais. Il faut vraiment qu'on fasse une fête, alors. Mustapha va aussi se souvenir. Et s'il entreprend quelque chose? Crois-moi, il ne peut rien faire. D'abord, Kadir va lui parler. Quand il va savoir que les téléphones sont sur écoute, il ne le fera plus. J'en suis vraiment pas sûr. Kerim, je t'en supplie, s'il te plaît, ne pense pas à ça. J'ai compris, c'est bon, tu me l'as déjà dit des dizaines de fois, d'accord? Désolé, passe une bonne nuit. Toi aussi.